haut de la single là tient vraiment très bien. Puis j'ai des belles imbalances acheteuses dessus. Je vais essayer de me le faire. De faire un petit scalpe long sur le. Si jamais il peut revenir là. Ce serait cool. Ils attaquent. J'ai eu des belles imbalances sur cette single là. Vendeurs dans le carnet qu'il y a, ils sont exécutés, putain. Ah non, ils sont retirés. Il y avait 30 contrats là qui se sortiraient. Il y a un petit flip haussier, attention. Ça va peut-être péter à la hausse. Hein. J'ai vu un petit flip haussier, mes amis. Je vais essayer d'être potentiellement pris à l'achat, voilà. Il y a eu un petit flip haussier, mais peut-être que c'est trop tard pour en profiter. Ouais. C'était rapide, il fallait avoir l'œil. C'était ici. C'était à cet endroit-là qu'ils ont fait le flip tout à l'heure. Allez, vide, vide, vide. À cet endroit-là qu'il y a eu la petite manip. C'est marrant, c'est à cet endroit-là qu'ils reviennent et ça tient. Putain, c'est. Il n'y a pas de coïncidence. Hein. Putain, ça a tenu. C'est exactement l'endroit où il y a eu une petite manip dans le carnet, moi que j'ai vu parce que j'ai l'œil, j'ai l'habitude. Je l'ai filmé, donc j'essaierai de le montrer sur YouTube. Et quand ils sont revenus, là, ça a tenu. Comme par hasard, la zone, elle a tenu. On voit ici un hein, 480, il y a eu 60 contrats d'exécuter à la vente. Et 483, il y a eu un flip aussi. Et là, quand ils sont revenus entre 483 et 480, ça a tenu d'une force comme par hasard. Allez, ils vont continuer là. Allez-y, 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 allez-y. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, c'est parti. C'était obligé. Regardez-moi ça. Voilà, il y a eu vraiment une belle séquence. À partir du flip haussier, il fallait être acheteur. Hein. Je vais le montrer sur YouTube, ça. Je t'entends pas bien là. Je t'entends pas bien Alain. Comment? Je t'entends pas bien. Ouais, je m'étais éloigné un peu du micro. Je suis passé sur le Nasdaq pour regarder un petit Ah peu la d'accord. tête. Et ça pousse vers le haut là-bas. Oui. Il y a eu une belle manip et
C'est ton fameux Rusty Pepper là. Regarde ça un petit peu. Ouais, non, ça pousse acheteur, ça se voit depuis tout à l'heure, de toute façon, il n'y a aucun doute. Hein. Là, ce matin, contrairement aux autres matinées qui étaient vendeuses cette semaine, là, on est bien acheteur et ça se voit bien. Qu'on vienne pas me dire que ça se voit pas. Dans Bookmap, en tous les cas, il n'y a aucun doute, quoi. Le mec qui vend ce matin, c'est vraiment un débile. C'est un débile. Ou alors, en faisant du contrarien sur des niveaux bien précis, mais je vois pas pourquoi c'est trop dangereux. Il vaut mieux acheter, il vaut mieux acheter, hein, franchement. Ouais. Ultra acheteur, c'est incroyable ce matin, il n'y a aucun doute. Si on aime le contrariant, on va bientôt arriver sur un niveau. Mais vraiment, faut aimer ça. Hein. C'est pas trop mon truc, moi. Mais si on aime ça, il y a un niveau à 544. ...545... 544, 545. Parce que j'ai pas mal d'avance. J'ai gagné pas mal d'argent ce matin. Je vais le tenter. J'ai placé un ordre short à 544. C'est une VP30. Hein. Elle est belle. C'est vraiment parce que j'ai de l'avance en PNL. Hein. Sinon, je le ferai pas. Parce que c'est tellement acheteur, que je vois pas l'intérêt de se mettre face à ça. Mais pour ceux qui aiment le contrarien, allez, il y a un petit niveau sympa pour faire un petit scalp contrarien à 544,5 exactement. Moi, j'ai fait 514 et je vise 535 là. Ouais. Ah ouais, de toute façon, j'ai fait plusieurs achats, c'est pareil, c'est incroyable. Et puis ils respectent bien les niveaux, tout. Non, bah voilà, quoi, c'est une belle matinée, voilà. Il y a eu des belles manipulations, il y a eu du spoofing, il y a eu du flipping, il y a eu un petit peu de tout. Et là, je voudrais juste voir s'il va respecter les 544,5 ou pas. Cinq cent quarante-quatre point cinq, c'est la VAL d'hier, ça? J'ai une VP30 à 544,5. Alors attention. Ah, voilà. On va bientôt y aller. Ouais, puis il y a certainement une petite confluence avec d'autres niveaux. C'est vraiment pour un scalp. Hein. J'ai pas l'intention de m'éterniser dedans. Et parce que j'ai fait de la monnaie. Voilà, j'ai été exécuté. Ah là 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 là, allez, descends encore un peu. Voilà, ça y est, je suis sorti. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ticks. C'est vraiment du contrarien parce que c'est ultra acheteur. Si je l'ai fait, c'est parce que j'avais un bon PNL, je risquais pas grand-chose. Ouais. Regarde comme ça tient, regarde comme ça tient, regarde. Même dans un contexte ultra directionnel comme ça. Tu peux faire confiance à ces niveaux-là. Tu vois? C'est magnifique. C'est magnifique. Et il y a une confluence avec d'autres petits niveaux, oui. Mais ouais, c'est surtout le VP30, moi, qui m'intéressait. Parce qu'il est beau. C'est un magnifique creux. Enfin bref. Encore une preuve que c'est de la tuerie, ces trucs-là. Ça, couplé à l'order flow. Parce que là, on voit bien, quand on est arrivé dessus, les vendeurs, ils ont pris la main. Hein. Je l'ai filmé pour le montrer. Sur Ouais. YouTube. C'est pas ça qui va renverser la journée, hein. Mais en tous les cas, pour faire un scalp short, c'est suffisant. La preuve.